Madame, Monsieur, chers habitants de Vauban et Kerm, je viens vous rencontrer aujourd'hui pour vous présenter, au nom du Conseil de quartier, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. La crise sanitaire que notre pays connaît depuis presque un an m'oblige, malheureusement, à m'adresser à vous derrière un écran. Depuis le début de la pandémie, la ville de Lille et notre maire, Martine Aubry, ont mis la priorité sur la sécurité sanitaire des Lillois, dans les écoles, dans l'espace public, sur nos marchés et dans nos services municipaux. Mais nous avons hâte de vous retrouver ensemble, de nous retrouver ensemble et sans contrainte. Notre objectif à Vauban et Kerm est de reprendre une vie douce, apaisée, sécurisée, mais aussi dynamique, et de faire évoluer ensemble notre quartier. Nous voulons surtout concrétiser avec vous notre projet municipal pour lequel nous avons été élus et agir au quotidien pour permettre de garder un quartier en mouvement. Car ce que nous voulons, c'est un quartier dynamique, un quartier qui bouge, qui innove, un quartier qui vive pleinement. Poursuivre le développement de la proximité. Car ce que nous voulons, c'est poursuivre ensemble nos projets, ateliers citoyens, concertation et le soutien réaffirmé aux associations qui apportent tant à notre vie de tous les jours. Avoir un quartier durable et apaisé, car ce que nous voulons, c'est un quartier durable et soutenable, encore plus vert, et ouvrir aux plus jeunes le regard vers un monde où les mobilités sont plus faciles et moins polluantes. Avoir enfin un quartier bienveillant, car ce que nous voulons, c'est permettre à chaque Lillois de profiter pleinement des aménagements réalisés dans le quartier, quelle que soit sa situation, et en particulier pour les enfants. C'est ce que les conseillers de quartier et des habitants ont fait avec le budget participatif et l'installation des jeux inclusifs du Square de l'Arbonnoise pour les jeunes en situation de handicap. C'est ce que nous faisons depuis le mois d'octobre, après avoir initié notre réseau Solidarité qui fédère toutes les démarches bénévoles de soutien pour celles et ceux qui en ont besoin pendant cette pandémie que nous affrontons. Un quartier en mouvement, en proximité, durable, apaisé, bienveillant, voilà ce que je vous propose pour cette nouvelle année. Les enjeux qui nous attendent sont importants, vos attentes également, et nous ne pourrons ensemble construire notre quartier de demain qu'avec nous tous. De nombreux projets vont être lancés au cours des prochains mois. La concertation pour la place du Maréchal Leclerc, la métamorphose de l'entrée de la rue Solferino, les projets de la CATO, de l'ICAM, sur le site EDF Transpol, sur Michel Servet, sur le 33 rue de Canteleu. Jeunes, seniors, adultes, enfants, nous pouvons tous contribuer à notre niveau à apporter notre pierre pour construire notre Vauban et Kerm. Les débuts d'année sont toujours propices aux bonnes résolutions et je souhaite que travailler ensemble pour notre avenir soit notre objectif commun. Dans cet esprit, avec mes collègues du Conseil de quartier et avec tous les agents de notre mairie de Vauban et Kerm, je vous renouvelle tous mes souhaits de bonheur pour cette nouvelle année. Bonne année à vous toutes et à vous tous.